the road again. Just can't wait to get on the road. The life I love is making music with my friends. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 17e épisode Geocaching. On est sous la pluie, pour une fois on est sous la pluie, voilà, c'est sympa, une petite pluie de temps en temps, ça fait du bien. On va partir pour une cache qui me semble être super facile d'après les informations que j'ai vues. Faut que je fasse attention par contre, il y a un sentier, on va emprunter un sentier qui aujourd'hui est assez utilisé. J'ai déjà croisé plusieurs personnes en train de marcher avec des parapluies. Ça va un petit peu, comment dire, nous ralentir dans les démarches, mais peut-être qu'avec un peu de chance, de toute façon, il peut faire n'importe quoi en météo, les gens ils sortent quand même, tu vois. Komm mit in die Berge, komm mit mir in die schöne freie Welt hinaus, komm mit in die Berge, komm mit und lass doch alle deine Sorgen heute zu Haus. Coucou. Kein Mensch, der uns beim Träumen stört, nur Wiesen, Blumen, Bäume, nur rings um uns Natur. Alors je pense que cette aventure sera très rapide, puisqu'apparemment la cache devrait se trouver ici, dans ce calvaire. Alors, je pense qu'il n'y a pas 36 000 solutions. Je pense même que je la vois déjà d'ici. C'est ça? Ah ou non? Heureusement, j'ai pas mis les doigts dedans. C'est une sorte de nid d'araignée là-dedans. Je vais éviter alors d'y toucher. Par contre, ouais, mais alors, où est-ce qu'elle peut être? Où est-ce qu'elle peut être? Ah, tiens. Et voilà. Ça aurait été une aventure plus que rapide. Aventure super rapide, même hyper rapide. Bref, allez, je reviens de l'autre côté. Je vais signer ça. Oh la vache, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça? Attention, qu'est-ce que c'est que ce système d'ouverture maintenant? Ça se dévisse, ça se tire, ça. Ah, astucieux. Je sais pas ce que c'est par contre. Bon, le logbook un peu froissé, mais en bon état. Waouh. Oh la vache. Oh d'accord. Ah, c'est super. Si vous avez trouvé cette boîte par accident, oyez, gens de dames et gens de messieurs, s'il vous plaît, veuillez ne pas la déplacer, la voler ou la vandaliser. Si vous le désirez, emportez quelque chose de son contenu, mais veuillez y laisser quelque chose d'autre en échange. N'oubliez pas de signer le logbook. Donc si on l'a trouvé par accident, il faut signer le logbook. Ça veut dire que même si tu joues pas, même si tu connais pas, même si tu es tombé sur ce truc, alors que tu sais pas ce que c'est, tu dois quand même signer. C'est... Putain, c'est la logique du jeu, quoi. Ok, alors bon. Il y a encore de la place. Oh là, regarde-moi ça, comme c'est magique. C'est super, c'est génial. Ah, c'est bien géré, franchement. Ah bah, je crois que je vais attaquer la troisième page. Bon, bah, super. Et voilà, une de plus à archiver. Enfin, non, pas archiver. Archiver, ça, c'est... Dans le jargon du géocaching, archiver, c'est-à-dire désactiver une cache, hein, ou un commentaire, ou une image... On va éviter. Bon, refermons ce truc. Ah ouais, non, celle-ci, ça se visse, ouais. Ah, c'est sympa. Ok. Nickel. Bon, bah, je vais la remettre derrière. Attends. Je suis pas censé être derrière. Ah, il y a le ciel apocalyptique qui revient. Regarde, regarde, le ciel. Le ciel de l'apocalypse, tout est violet. Oh, bah, purée, maintenant, je vais de nouveau passer pour un blaireau. Bien voilà, un épisode qui se finit encore une fois. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos retours sur l'épisode ou la série en général. Ça fait du bien d'être sorti alors pour faire un épisode sans qu'il fasse vraiment 40 000 degrés.
C'est cool, c'est sympa. Un petit vent léger, c'est cool, il fait pluvieux. C'est le temps idéal pour moi, c'est le temps idéal, voilà. Alors je vous dis à tous, d'ici à la prochaine, ne faites pas des choses qu'on n'aurait pas qu'on fasse. On se retrouvera très bientôt dans un 17ème épisode. Et d'ici là, ciao tout le monde. Voilà, maintenant moi je vais faire une petite marche par tout droit là. Allez hop.